Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle et énième chaîne de jeux vidéo. Moi c'est Guyo, on s'est peut-être croisé dans l'une des innombrables boutiques où j'ai été à Lyon ces 10 dernières années. Stagiaire, gérant, responsable, toujours est-il que j'étais toujours plus ou moins un esclave qui vendait des FIFA 11 à 2€ pour gagner sa croûte. Aujourd'hui, si on se retrouve sur cette chaîne, c'est tout simplement pour parler des suites pourries de cinéma par exemple. Absolument pas, et puis c'est déjà fait. Ou alors, pourquoi pas parler de la Nintendo GameCube? Ah, parler de la Xbox, mais tout le monde s'en fout, non? Frérot, on est en France, des vidéos d'Xbox, ça intéresse personne, puis qui ferait ça, quoi? Bon, puisqu'apparemment tous les plans où j'y connais rien ont déjà été pris, je vais parler de quelque chose que je connais un petit peu, le business du jeu vidéo. Et quand je parle business, je parle pas des chiffres internationaux de Xbox et des reventes d'Activision Blizzard, hein. Rappelez-vous, je suis esclave du jeu vidéo, on va parler plus concret. Je veux du palpable. Et je parle naturellement de produits physiques, hein. Je vais pas pouvoir parler de téléchargement ou autre, parce que vous vous doutez bien que mon expérience n'a pas pu dire, tiens, Alan Wake 2, tiens. Prends-le. Y a rien, quoi, on peut pas. Mais on va quand même pouvoir parler de plein de choses, hein. On va pouvoir parler de marché physique, on va pouvoir parler des prix abusifs sur certaines pièces rétro, on va pouvoir parler du marché neuf et marché de l'occasion, comment tout ça fonctionne. On va parler des stratégies commerciales, de certaines boutiques que vous connaissez ou non. Comment survivre justement, comment préserver ce marché physique, comment on peut continuer d'exister dans un marché qui évolue tout le temps. Et puis pourquoi pas, parfois je pourrais peut-être digresser sur des sujets un peu plus rigolos que vous me proposerez, moi je sais pas, hein. Je sais pas. Toujours est-il que pour commencer, j'aimerais beaucoup parler d'une enseigne que vous connaissez. Je crois pas, non. Non mais si, c'est l'enseigne, c'est ce par quoi tout a commencé, quoi. C'est, j'ai envie de dire, la genèse de l'arnaque, quoi. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Cette enseigne, c'est naturellement Micromania. Alors normalement, je parle quand même à un public d'érudits et vous connaissez tous Micromania. Bon, et si vous connaissez pas, voilà, vous allez voir la vidéo de l'ami Conquerax, voilà, c'est très complet, il a beaucoup travaillé, ça mériterait quand même de faire un ou deux de vues plus. Ça vous permettra de connaître l'essor de ce monument français du jeu vidéo. Un monument français que même Bernard Arnault n'a pas réussi à délocaliser. C'est pas rien. Bon, par contre, il l'a vendu en faisant un beau bénéf, hein, ça, on peut pas lui enlever. Parce que vous savez, en France, dès que quelque chose réussit, il y a des critiques. Rendez-vous compte, hein, Micromania, ça fait 40 ans que ça existe, et en 40 ans, le jeu vidéo, ça a quand même beaucoup évolué, hein. On est quand même passé de ça... à ça. Non, je déconne quand même, entre-temps, on a eu un petit peu de ça aussi. Ça fait quand même du bien de voir qu'en 40 ans, on a eu beaucoup de vrais bons jeux, hein, parce que c'est vrai que ces dernières années, c'est un poil plus compliqué. Et en 40 ans, le marché du jeu vidéo, il a beaucoup évolué, hein. Rendez-vous compte, Micromania est passé d'une simple adresse postale de vente à distance à maintenant 430 magasins et 1700 employés. Ça fait quand même beaucoup de gens à payer. 1700 employés prêts à vous arnaquer, quoi, enfin, à vous vendre des produits et des services. Alors je sais, c'est un petit peu la mode de tirer sur l'ambulance, c'est un peu la mode de tirer sur Micromania. On peut se moquer de leur offre, on peut se moquer de leur politique commerciale, et surtout, on se moque de leur prix. Mais quand en 40 ans, tu passes d'une boîte aux lettres à 430 magasins, c'est quand même que tu as pris quelques bonnes décisions. Enfin, je pense, Micromania n'a pas passé 40 ans à prendre des décisions cons. Même s'ils en ont pris quelques-unes. Parce que faut pas se mentir, quand on est autant la cible de moquerie, quand on nous appelle micro-arnaque au lieu de Micromania, c'est forcément qu'on a raté quelques tournants. Enfin moi je dis ça comme ça, hein. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire un petit tour d'horizon des gros tournants du marché du jeu vidéo que Micromania a dû prendre. Ou n'a pas pris. Parce que l'implantation, c'est un petit peu comme quand vous choisissez un appartement, hein. La priorité, c'est pas les doubles vasques. C'est la double vasque!
La priorité, c'est l'implantation. On veut savoir combien de temps on met en métro, on veut savoir, ça c'est l'important. Et ben c'est pareil pour un commerce. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie commerciale, si vous vous perdez dans un trou perdu d'une ville où il y a 3 habitants, et ben vous faites pas de bénéfices. Et l'idée de base de Micromania, c'est de s'implanter vraiment dans les zones où il y a énormément de passages, hein, notamment dans les centres commerciaux. Et ça, c'est une idée vraiment géniale, parce que n'oubliez pas que Micromania s'est surtout développé de 80 aux années 2000. Et à cette époque, les centres commerciaux, c'était vraiment le cœur de la vie commerciale de toutes les villes. Il n'y avait pas ce délire qu'on a maintenant à essayer de faire vivre le petit artisan. Hein. Non, le but, c'était vraiment d'être moderne et d'aller dans les gros centres commerciaux pour montrer que nous, on a du pouvoir d'achat. Et en plus, dans ces années-là, eh ben, le jeu vidéo, c'était pas le loisir mainstream qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Bon, aujourd'hui, bon, t'as 40 ans, t'as un réveil pour pas louper la sortie de GTA 6, tu te lèves à 8h du matin, tu mets ton pyjama pour aller chercher ton exemplaire en avance chez ton boutiquier. T'es un gars normal, quoi, j'ai envie de dire. Bon, t'auras toujours une ou deux personnes qui vont dire que... T'es une merde ! Non, mais calme-toi, calme-toi. T'es une merde ! Tu restes dans le jardin et tu bouges plus ! Mais c'est quand même de moins en moins fréquent, et puis ça s'arrête là, quoi. Y a plus d'insultes comme il y en avait avant. Mais en 90-2000, mon gars, il valait mieux s'accrocher, hein. Fallait vraiment avoir des parents vraiment cool pour qu'ils acceptent de prendre leur voiture, de te mettre dedans, de t'amener dans ta boutique spécialisée du centre-ville et de galérer à se garer. Tout ça... juste pour t'acheter le dernier Donkey Kong. En plus, la clientèle qui faisait ça, c'est pas trop celle que cherchait Micromania. Hein. Les gens qui faisaient ça, ils étaient déjà connaisseurs. Et Micromania, eux, ils voulaient vendre du service. Non, la cible, c'était plutôt la bonne vieille ménagère comme on l'imaginait en 1998. La ménagère qui va faire ses courses avec la marmaille. Et puis voilà, il y a un Micromania, on lâche les gosses dedans. Pendant ce temps-là, on va acheter la vinasse à papa. On achète aussi des capotes parce qu'on a vraiment pas envie d'avoir un gamin encore plus con que toi, quoi. C'est pas une petite personne. Ouais. Il est pas gentil, monsieur. Et au retour, quand ta mère, elle venait avec le caddie plein, toi, tu lui faisais un bon vieux chantage affectif pour avoir ta dernière nouveauté. Et là, le piège est fermé, hein. Devant la maman qui a déjà le caddie rempli et qui a juste envie de rentrer chez elle et qui veut surtout la paix, le vendeur, il aura juste à proposer une petite carte de fidélité et un bon jeu à 450 francs. Combien ? Et là, on se posait pas la question de se dire hein, 80 euros, c'est quand même un petit peu cher pour un jeu vidéo. Non, c'était plein tarif pour tout le monde et personne posait de questions. En même temps, il y avait pas vraiment d'alternative. Et cette stratégie, elle a été ultra payante. Hein. Aujourd'hui encore, si vous allez voir les grands-mamans qui cherchent un cadeau de Noël, elles vont aller à Micromania. Parce que pour acheter un jeu là, à Joshua qui est complètement excité et complètement omnumilé par sa Switch, il faut bien des conseils. Non, parce que le gamin, il a déjà tout, quoi. C'est pour ça que les vendeurs de Micromania entendent encore régulièrement « Bonjour, vous avez Mario pour PlayStation 5 ou alors vous avez Fortnite pour la Switch ?» Ça vient de là. Sauf que naturellement, le temps passe, c'est la bonne vieille période aussi. Les gamins qui faisaient du chantage affectif comme moi, on est devenus des adultes. Et le jeu vidéo, maintenant, c'est devenu quelque chose de très mainstream et même plutôt cool. Par cool, je veux dire un loisir que tu peux avoir à 12 ans sans te faire racketter ton goûter au collège. Et ça, il y a des gens qui l'ont bien compris, c'est la grande distribution. Et elle a commencé à proposer des sorties de jeux à des prix qui sont complètement pétés. Le but, c'est d'avoir sa part du gâteau. Et leur stratégie est assez simple et au final, assez similaire à celle de Micromania. Le but, c'est de proposer un prix ultra agressif qu'on va pouvoir mettre vraiment bien en avant dans nos magazines. Le magazine atterrit dans la boîte aux lettres. Le gamin, lui, il voit son FIFA 8 en première page. Du coup, il va faire du chantage affectif à sa mère en disant « Il faut aller à Carrefour ou il faut aller à Leclerc. » Mais il faut pas aller ailleurs pour faire ses courses. Et pendant qu'il sera, va aussi acheter des clopes parce que j'aime bien m'en fumer une après m'être fait bien. Et là aussi, le piège est complètement fermé. La ménagère va choisir son enseigne selon ce que lui a dit le gamin. Elle va lui prendre le jeu. Et là, par contre, on va la tabasser sur les autres prix. Oui, alors, disclaimer, je dis ménagère parce que c'est comme ça qu'on dit dans le marketing. C'est un poil sexiste, je le reconnais, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, donc pas ma faute. En tout cas, c'est malin, hein, parce que ça permet quand même de faire d'une pierre deux coups. Ça permet de faire payer le loyer à Micromania tout en lui piquant sa clientèle. Et ça, c'est smart. Et Micromania, face à cette politique, ils sont un petit peu à poil, quoi. Ils sont comme ça, quoi. Enfin, ils peuvent rien faire. Well, we're fucked. Ils peuvent pas tellement revoir leur grille tarifaire parce qu'ils dépendent entièrement de ça. Ils peuvent pas vendre autre chose. S'ils gagnent pas d'argent sur le jeu vidéo, ils font faillite. Et en plus, la politique de prix des jeux d'occasion découle complètement des prix du neuf. Donc si tu baisses l'un, il faut baisser l'autre et baisser le taux de rachat et le full cycle again. Van Damme is back. Et on est cuit, quoi. Et du coup, le client qui nous a acheté un jeu 70 euros, si on lui reprend en 15, il va se sentir un petit peu lésé, quoi. Je viens de me faire carjacker.
ils peuvent pas non plus déménager parce que leur politique dépend d'un taux de passage qui est quand même très élevé et qu'on trouve pas beaucoup ailleurs des grandes surfaces. Et ils peuvent pas non plus vendre les magasins et partir avec la caisse comme le font certains indépendants, hein. J'ai 70 000 balles dedans. Non, déjà parce que ça se verrait un petit peu, et en plus dans un centre commercial, le bail ne peut pas être vendu. Donc tu peux que partir une main devant, une main derrière. C'est ce qui est arrivé à Game d'ailleurs. Donc là, dit comme ça, on pourrait dire, eh ben, Micromania, ils sont foutus, y a plus rien à faire, bon, bah, y a plus qu'à attendre de fermer, déposer le bilan, bon, parachute doré, et puis on passe à autre chose, quoi. Mais pas vraiment, parce que le marché du jeu vidéo, lui aussi, il évolue, et heureusement. Et en même temps que le jeu vidéo a évolué, sa manière de le consommer aussi, avec des nouveaux produits, notamment les cartes Pokémon au début des années 90. Mais on parlera de ça un autre jour, là on va parler de quelque chose de plus récent. Un phénomène qui a été ultra discret au début, mais qui au final vous n'avez pas pu louper. Et ça a été un tournant pour Micromania. Et je parle des figurines pop. Avant les pop, il y avait déjà des figurines, mais c'était quand même des figurines qui étaient très différentes. Il y avait le classique Banpresto qui vendait des figurines de Goku, il y avait pas mal de Dragon Ball Z, tu avais Sangohan, et pas mal de Goku. Hein. Donc c'était un petit peu difficile d'en faire la collection, parce que c'est vrai que toutes les semaines, t'avais Goku dans une nouvelle position. Et 300 variantes d'un même personnage, dans un format un petit peu encombrant, c'est pas trop propice à la collection. Mais en 2013, je me souviens d'un commercial qui vient avec un produit complètement nouveau. J'écoute. Et là, il me présente une liste de petites figurines avec des grosses têtes toutes mignonnes, faites dans un plastoc qui a l'air ultra cheap. Alors oui, la première chose qu'on se dit, c'est mignon, mais c'est quand même super moche. Noni. Oui, mais c'est moche, mais c'est reconnaissable facilement, et en plus ça coûte que 15€ à la revente. Et surtout, les licences sont du jamais vu en rayon. Car là où on voyait que du Pokémon, du Naruto, du Dragon Ball Z, des trucs qui sont plutôt enfants... Oui, je sais, il y a aussi des adultes qui regardent Dragon Ball Z, mais c'est pas la question. Là, il y avait la série du moment, Breaking Bad, il y avait aussi Big Bang Theory, il y avait Game of Thrones, la série événement de HBO, et ça, c'est des séries qui touchent le trentenaire, hein, celui qui a le portefeuille bien fourni. Et la hype de ces séries n'a rien à voir avec la hype que avoir une série maintenant. Et moi, personnellement, aucune boutique n'avait sauté le pas avant, mais j'ai décidé de le sauter, et à pieds joints. J'ai pas hésité une seconde à prendre des grosses quantités, surtout qu'à l'époque, une pop, ça coûtait vraiment pas cher à l'achat, et on se faisait une bonne marge sur la revente. Bref, j'étais sûr que ça allait cartonner, et franchement, c'est pas pour me vanter, mais ça a cartonné. Alors là, si vous pensez que je me suis fait plein de thunes, faut pas déconner, hein. Non, il s'est passé des trucs aussi. Hein. Non, parce que justement, dans ces années-là, Micromania aussi a sauté le pas. Et ils m'ont pas copié, hein, c'est juste que la figurine pop, c'était le chemin naturel pour une boutique de jeux vidéo. Et en vrai, l'idée était excellente de se lancer dans ce marché-là, parce qu'il y avait de la thune à faire. C'était assez simple, tous les mois, il y avait plus ou moins une ou deux nouvelles collections de pop. Elles coûtaient entre 5€ et 5,5€ à l'achat, tu les revendais 15€, tu te faisais une belle marge. Par exemple, vendre une pop, c'était à peu près aussi rentable que vendre un jeu neuf plein tarif. Et en plus, avec seulement une collection par mois, t'as le temps de vendre toute ta collection avant d'en avoir une nouvelle, donc ça prend pas tellement de place en rayon. Sauf que Funko Pop, ça a aussi beaucoup évolué, hein, je veux dire, c'est passé de Carapuce à Florizard, quoi. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Et les prix ont explosé en passant de 5€ à 8,50€ maintenant. What the fuck ? Et c'est difficile d'augmenter le prix en rayon parce que les 15€ sont quand même bien ancrés dans la tête du client et c'est assez difficile de leur en proposer pour plus maintenant. Alors pour pallier à ce souci, il y a eu des éditions limitées qu'on pouvait éventuellement avoir dans nos cartons, des éditions Chase, des éditions exclusives Amazon, exclusives GameStop qu'on pouvait vendre 20, 30, 40, 50€. Pop géantes, les pop brillantes, les pop pailletées, sauf que ça fait des nouvelles séries encore et encore et des séries qu'on n'a pas le temps de vendre avant d'avoir les autres. Et là, Micromania en plus, ils ont fusionné avec Zing, donc ils ont pris le tournant produits dérivés, qui lâche pas le morceau de la pop, et les pop continuent de grappiller du terrain sur les rayons du jeu vidéo, quitte à perdre un petit peu l'identité de ce qu'était Micromania, à tel point que ça en devient un petit peu un sujet de moquerie. Bonjour, je voudrais acheter des jeux vidéo. Non mais sérieux, vous voulez pas plutôt acheter une figurine pop ? Je veux dire, maintenant Micromania n'est pas très différent d'un magasin de jouets, là où avant c'était vraiment un magasin de gamer pur et dur. Et se retrouver avec un produit qui demande une trésorerie considérable, beaucoup de place pour une marge qui commence à devenir infime,
c'est problématique. Et en plus, la grande distribution aussi, elle a vu le virage de la pop, hein, et elle l'a pris aussi. Et eux, ben, comme d'habitude, ils sont là, ben, pour dévaluer le produit et le vendre le moins cher possible, quoi. Enfin, c'est tout. Et là, on s'est retrouvé avec des pop à 2,99€ ou offertes avec une boîte de chocolat. Et là, psychologiquement, la pop est vraiment devenue un produit ultra bas de gamme. Là où avant, c'était un produit ultra original qu'on pouvait offrir un petit peu à n'importe qui, avec des licences qu'on n'attendait pas et dont on n'avait jamais rien eu. Comme les Goonies, comme Maman j'ai raté l'avion, comme Totally Spies, comme les Trolls. Je veux dire, il y a carrément eu une pop Dick in a Box. Et oui. Je l'ai. Maintenant, c'est devenu un produit classique, ultra mainstream, bas de gamme, avec des licences qui se rabâchent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un peu comme Banpresto, en fait. Naruto normal, Naruto qui fait un kamehameha, Naruto qui mange du riz, Naruto qui a des yeux de chèvre, Naruto qui se bat contre Sasuke, Naruto qui a une transformation, enfin... Vraiment, toujours les mêmes qui reviennent. Bref, c'est un produit que Micromania aurait peut-être mieux fait de partiellement abandonner pour peut-être miser sur d'autres produits. Chose qu'ils n'ont pas vraiment fait. Parce que tenir une boutique, c'est prendre des risques et acheter des nouveaux objets sans savoir vraiment s'ils vont se vendre ou pas. Les Micromania, ils sont plus trop dans la situation où ils peuvent prendre des gros gros risques comme ils pouvaient dans les années 90. Hein. Là, ça chauffe un petit peu pour eux. Hein. Et ça chauffe aussi parce qu'ils sont passés à côté du plus gros phénomène jeu vidéo qu'il y a eu depuis... le jeu vidéo. Et je parle de ce qui fait vivre quasiment tous les magasins indépendants. Hein. Le rétro gaming. Parce que le rétro gaming est un marché. Non, c'est pas vrai. Et c'est un marché qui, au final, est assez récent. Bon, mais là, naturellement, les gens ils vont dire « Non, le rétro gaming, désolé, moi, je joue déjà au Commodore 64 à la sortie de la Super NES, ça existe depuis super longtemps. » Non, mais c'est pas le sujet non plus, là. Bien sûr que le rétro gaming, il a toujours existé, mais pas sous cette forme. Et je vous arrête tout de suite, hein, c'est pas à la première vidéo du joueur du grenier que tout a changé, hein. Ça est arrivé bien après. Là, le rétro gaming, depuis 2014-2015, c'est vraiment devenu tendance et cool. Hein. On en parle à la télé et c'est quasiment devenu un placement fiscal, quoi. Et en 2014-2015, on faisait encore des super affaires dans les boutiques. Hein. Tu trouvais des Pokémon diamants à 15€, tu trouvais des Another Code à 3€ dans les bacs à soldes. Vraiment, c'était l'âge d'or. Et autant vous dire que là, en vie de grenier, c'était la foire à la saucisse au niveau de l'arnaque. Hein. Alors, pour la petite histoire, c'était une deux petites filles qui vendaient leurs jeux vidéo. En plus, il y avait des jeux pourris de la PS1, de la Xbox, PS3. Et un moment, je vois ça au milieu. Je dis, oh putain, super. Alors, je dis, bonjour, vous le vendez combien? Elle me sort 15€. 15€? Mais ça va pas la tête, ce jeu. Il date de la. Il date de. Regardez. Il date de 95. Je crois que c'est 95. Non, 97. Regardez, ce jeu date de 97. Je m'en ai dit, le dernier Mario. Je comprends pourquoi vous mettez 15€. Mais ça, c'est un vieux jeu. D'habitude, je les achète 1€, les jeux PS1. Elles m'ont dit, ah bon, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Puisque j'achète souvent sur vide-grenier. Écoutez, pour vous faire plaisir, je vous en propose pour 3€, les gars. Et elles m'ont dit oui. Donc Final Fantasy 7 pour 3€. On t'oublie pas mon gars. Et il y a des enseignes qui ont pris le tournant du rétro gaming, je pense notamment à Game Cash. Maintenant tu rentres dans un Game Cash, t'as quelques nouveautés à l'entrée, mais le reste c'est du goodies et du rétro gaming quoi. Mais Micromania ils ont pris une décision, et cette décision c'est de ne pas faire du rétro gaming. Et il y a des raisons pour ça. Pas dit qu'elles étaient bonnes. Alors Micromania, ils se sont pas lancés là-dedans déjà parce que Micromania, c'est une enseigne nationale et forcément, une prise de décision a beaucoup de conséquences et demande beaucoup de mise en place. C'est pas comme Independence Day là où tu dis attendez, je sais comment on va gagner du pognon, ah oui, d'accord, et ben j'envoie un message en morse aux Russes qui vivent en 1870 là, ouais, ils savent bien faire du pognon. Non, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Les décisions de la chaîne et les prix, ils sont centralisés. C'est-à-dire qu'il y a une décision à Paris qui est transmise au directeur régional qui lui le transmet au manager et le manager le transmet au vendeur. Ce qui fait que la prise d'initiative de la part des managers et des vendeurs, elle est minimale. Le but est d'avoir quelque chose de très homogène. Alors c'est vrai que ça s'entend pour une enseigne comme McDonald's, mais pour Micromania, peut-être qu'il faudrait revoir un petit peu la copie. Bah oui, parce que du coup, le manager, il a finalement très peu de décisions à prendre, et pourtant c'est lui qui est sur le terrain, et c'est lui qui sait que son marché local est peut-être différent de celui d'une boutique qui est à 400-500 km. Et c'est d'autant plus vrai dans le rétro gaming, où le marché est beaucoup plus local aussi. Hein. Prenez pour exemple, moi qui suis au centre-ville de Lyon, je peux vendre des jeux GameCube 1,5 fois plus cher que certaines personnes en banlieue ou alors dans la campagne. Pardon ? Et naturellement, je les rachète aussi plus cher, je me fais pas plus de bénéfices. C'est vraiment le marché qui est différent.
Donc c'est très difficile pour Micromania à Paris de dire que tel jeu on le reprend tel prix partout en France, tout le temps, n'importe quelle heure. Surtout que dans le rétro gaming, la moindre petite languette déchirée peut diviser le prix du jeu par deux. Alors que Horizon Forbidden West, je veux dire, tu peux le revendre même si tu l'as passé à la machine à laver, hein. De toute façon personne va y jouer. Enfin après il y a peut-être des gens qui y jouent, hein. Non. Je pense pas. Micromania aurait dû prendre le train et peut-être former des vendeurs qui auraient été spécialisés dans certaines boutiques pour racheter des produits rétro et les revendre en se faisant une bonne marge bénéficiaire comme on aime. Oui, parce que la marge bénéficiaire du rétro gaming, elle est quand même beaucoup plus sympa que celle des produits neufs. Hein. Mais doucement, hein, c'est aussi beaucoup plus chiant à vendre. En formant ces vendeurs, ils auraient pu leur accorder plus de confiance et développer un marché beaucoup plus local. Mais le rétro gaming, ça demande aussi avoir des pièces extrêmement rares et extrêmement chères et donc extrêmement difficiles à vendre, et aussi avoir des pièces extrêmement pas chères, extrêmement nulles et extrêmement difficiles à vendre. Et Micromania, il préférerait sûrement être en flux tendu au niveau du jeu vidéo, parce qu'il y a déjà toutes les pop à ranger. Donc voilà, Micromania est passé à côté du gros phénomène qui aurait peut-être pu les relancer. Enfin, quand je dis qu'ils sont passés à côté, pas tout à fait. Ils ont quand même essayé des trucs. Et franchement, ça fait partie des pires idées qu'ils aient eues. Parce que tu peux passer à côté d'un marché et dire « Bon, bah je suis passé à côté, tant pis, c'est trop tard, on va trouver autre chose. » Mais non, Micromania, ils se sont dit, on peut peut-être prendre le meilleur du rétro gaming pour faire de l'argent et le mettre discrètement dans nos boutiques. Et là, en plein milieu du rayon DS, tu te retrouves avec un Pokémon version noire à 80€. Tout seul, là, comme ça, au milieu des autres jeux, sans que tu puisses te mouiller la nuque, c'est là, voilà, faut, c'est là. Et le client, naturellement, il est peut-être pas au courant des prix, c'est normal, il voit ça, il hallucine, quoi. Et du coup, naturellement, tu prends ton bad buzz sur Twitter régulièrement avec des gens qui prennent tes prix en photo en disant que t'abuses complètement. Et le bad buzz Micromania, il revient quasiment tous les mois maintenant. Oui, il y a aussi beaucoup de bad buzz sur les prix de reprise, mais ça, j'y garde pour une autre vidéo aussi. On y met dans une petite case, là. À côté. Un Pokémon noir à 80€, c'est pas choquant dans une boutique spécialisée avec d'autres pièces rares à côté, ça fait partie du paysage. Mais tu peux pas le poser comme ça entre la poire et le fromage tout en voulant conserver ta politique de vente au non-initié. Bon, le non-initié, lui, au mieux, il va y voir une erreur d'étiquetage, il va voir le vendeur va lui expliquer et tout va bien se passer. Mais la majorité du temps, il va dire « Pourquoi ?» Putain, Micromania, vraiment, au niveau des prix, ils deviennent vraiment trop abusés. Pourquoi être aussi fort en plus ? Je me casse et je reviens jamais. Aucun honneur ! Si Micromania a accepté l'entièreté de la gamme des pop, il faut accepter l'entièreté de la gamme du rétro gaming. C'est normal. Donc on en est où aujourd'hui ? Ah, on en est où ? Eh ben Micromania aujourd'hui, il donne un petit peu l'impression d'une entreprise qui navigue à vue dans son plan com et marketing. Ils sont là sur leur barque au milieu de l'océan, là, ils attendent la vague, et si la vague est assez proche, eh ben ils vont dessus et ils surfent, quoi. Et ça donne des trucs parfois un petit peu pathétiques, hein. Notamment des ventes de hand spinners en magasin alors que la mode a duré genre 3 semaines, quoi. Notamment ce moment où Ben Affleck est venu dans leur magasin acheter quelques Switch pour ses enfants. Oui, non, parce que les riches, ça vit comme ça. Hein. C'est-à-dire que, bon, y a plus de place dans la valise, bon, bah tant pis, on achètera tes Switch sur place, quoi. Bon, le buzz, il a duré genre 3-4 heures sur Twitter avec un tweet qui a été pas mal relayé. Et ils ont quand même essayé de surfer dessus en faisant des promos Batman, etc. Mais genre, une semaine après, quand plus personne en avait rien à foutre. Et idem pour les cartes Pokémon, hein. Micromania les fait, mais on a plus l'impression que ça les fait chier un petit peu parce qu'il y a toujours des ruptures. Genre, ils donnent pas une seule seconde l'impression de maîtriser cette mode, hein, mais plutôt de la subir. Alors qu'il y a sûrement plein de business à faire avec cette mode des cartes Pokémon, ils auraient peut-être pu faire un système de graduation made in Micromania ou quelque chose, je sais pas, je balance des idées. Enfin, tu peux aussi faire des tournois. Mais pareil, tout ça, ça demande des moyens humains, de la formation et surtout de la décentralisation. Une volonté délibérée de décentralisation. Et c'est dommage parce que Micromania, ils ont de l'or dans les mains, hein. Ils ont des vendeurs qui sont ultra investis. Les gars, je veux dire, ils se déguisent carrément pour la sortie d'un jeu vidéo. Moi, je pense être quelqu'un d'investi et je me suis jamais déguisé pour la sortie d'un jeu vidéo. Les vendeurs décorent les magasins pour les sorties, postent leurs photos sur Twitter, font de l'animation. Franchement, que demander de plus? C'est dommage de pas profiter de toute cette passion pour peut-être les former à faire plus et qui dit plus d'argent. En plus, Micromania est plutôt capable de très bonnes initiatives. Hein. Et là, je pense par exemple à leur live shopping qu'ils font avec Good. Honnêtement, j'y croyais pas du tout. Les live shopping, j'ai regardé et franchement, ça marche bien. Et ça marche parce que Alex Good a l'air d'être un vrai passionné et qui sait transmettre sa passion. Il y a aussi eu la sortie de Zelda Tears of the Kingdom qui franchement a été une très grande réussite avec une nocturne à minuit. Il y avait une bonne ambiance, les gens venaient déguisés ou non, ils venaient dans la bonne ambiance, échanger leur passion comme ça à minuit au milieu de la rue, enfin c'était génial. J'avais un peu l'impression de revivre un peu cet âge d'or avec les sorties de MW3 ou de GTA V. Avec beaucoup moins de connards dans la file d'attente à mon avis.
J'assume pleinement. Mais tout ça, c'est pas très régulier et ça suffit pas vraiment à donner une renaissance à la marque. Comme la fusion avec Zing, dont on en attendait un petit peu plus. Hein. Là, je veux dire, à part changer vaguement de couleur et de rayonnage, ça a pas apporté grand chose. Alors naturellement, plein de choses ne sont pas de la faute de Micromania. Le fait que les grandes surfaces puissent vendre des jeux quasiment à perte pour vendre ensuite la salade 10 fois le prix de ce qu'ils l'achètent aux paysans, Micromania, ça, ils y peuvent rien. Le fait que les éditeurs préfèrent faire des jeux avec des microtransactions pour s'en mettre encore plus dans la poche, ça aussi, Micromania n'y est pour rien. Le fait que certaines personnes aient carrément la flemme de changer le CD sur leur console et donc achètent leur jeu en démat, ça aussi, Micromania n'y est pour rien. This is how you share your games on PS4. Thanks. Bref, je reste quelqu'un quand même de positif. Je pense que Micromania, avec du temps, des moyens et des idées, ça redeviendrait sûrement pas l'usine à rêve qu'ils ont été, mais peut-être une micro-renaissance. Ça serait déjà bien. Merci pour ceux qui ont regardé cette première vidéo. Elle m'a demandé beaucoup de courage à poster, naturellement, beaucoup de temps. Il y avait naturellement d'autres choses à dire sur Micromania, mais je voulais pas commencer par une vidéo de 40 minutes, vous comprendrez. Je me réserve ça sûrement pour un deuxième épisode et pour un format qui restera quand même relativement court. Si la vidéo vous a plu, je vous demande humblement de vous abonner. Peut-être même de mettre le petit like et peut-être même de partager. Ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos impressions, avec ce qui pourrait être amélioré, avec ce qui fonctionne déjà. Ça m'aidera naturellement à faire évoluer cette chaîne et à évoluer mon format. De mon côté, j'ai hâte de vous revoir. J'ai déjà le thème de la deuxième vidéo et je m'y attelle dès que celle-ci est postée. Donc à bientôt. Salut ! Libre de droit, générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit.